Il est l'heure de repasser chez nos demoiselles, cette fois-ci dans les règles du K1. Elles vont s'affronter en catégorie de moins de 60 kilos. Un combat international qui opposera la France à l'Allemagne. 3 minutes, 1 minute de pause. Dans le coin rouge, Malène Canava. C'est A ou B. Face à elle ce soir, dans le coin bleu, Yasmine Polak. Mesdames, Messieurs, elles vont s'affronter dans les règles du K1 en 3 rounds et de 3 minutes dans la catégorie de moins de 60 kg. Dans le coin rouge, âgé de 29 ans, accusant à la pesée 59 kg, 20 mètres sur 73. Comptabilisant son palmarès, 29 combats, 24 victoires, 3 défaites, 1 nul. A été sacrée championne de Lorraine, championne de France, médaillée d'or au championnat du monde amateur et vice-championne d'Europe. Pensionnaire du Muay Thai Évasion de Châtel-sur-Moselle, Malène Canava. Face à elle ce soir dans le coin bleu, âgé de 28 ans, accusant à la pesée 58,9 kg pour 1,56 m. Comptabilisant son palmarès, 27 combats, 22 victoires pour 5 défaites. A été médaillée d'argent au championnat du monde IFMA. Sacrée deux fois championne d'Allemagne amateur. Championne d'Allemagne professionnelle. Pensionnaire du team Ronin, Duisbourg, Allemagne. Et Yasmine Polak. Bonsoir au centre. Faire en français ou en anglais, I do it in French and English, ok? C'est du cas. Pas de clinch, pas de tech au genou, pas de variation, ça bouge encore, ok? We are K1. No clinching, just one knee, no throwing, no points, ok? Touch club? Make a good point. Juge! 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 Médecin? Superviseur? Let's go.
On va les resserrer après. Hein. Juste le temps pour moi de vous annoncer que ce combat est en partenariat avec. Déjà qu'ils aillent prévenir le concierge. Hein. Il y a qu'un des organisateurs qui aillent prévenir le scénario. Là, c'est super. Tu l'attaques en bas, ta droite aussi pointée. Parce que là, quand ça va à droite. D'accord ? Repose-nous. Alors, si là, vraiment, il faut faire quoi ? Si tu positions la droite, tu l'as bien compris. Pam ! Droite, repose-nous. Tu vas faire la tête. Elle travaille droit sur toi. Et si l'un est fatigué, laisse-la venir, Marlène. Des gars, mais laisse-la venir. Quoi que ça vient en durée, s'il vous plaît. Quoi que ça vient en durée. C'est comme ça. On se ressent. On va la deuxième. C'est comme ça. Fight. Deuxième. Vous verrez le coin. Allez,
pro. Un seul sur le ring, s'il vous plaît. Et surtout dans son énergie. Après le cardio, elle n'a pas eu le temps de redescendre. Si on l'attrape là, on enchaîne avec les jambes. C'est le dernier round. D'accord ? C'est ce qu'il faut. Le dernier round, on voit ce qu'il faut. On voit ce qu'il faut. Et Kira, on voit ce qu'il faut. C'est maintenant. Ok ? C'est maintenant, c'est le dernier. Ok ? Vas-y. Il est rentré de nouveau, il faut quand même faire un check, hein, si jamais il y a une déchirure ou pas. Vous arrivez à la montée? Plus de zéro. Je suis un peu bête, je mets un problème, nous c'est juste en gros. C'est juste la tirer. Quand même, je suis juste Seyed d'avant. Je suis juste Seyed d'entrée.
Voilà, on peut applaudir. Et nos deux boxeuses, frustrées tout comme nous de ne pas voir la fin et l'issue de ce combat malheureusement, et déclarées vainqueurs sur blessure et arrêt de l'arbitre, Yasmine Colac.